Grosse affluence, malgré la pluie à la Maison de la Culture, ce matin pour la cérémonie officielle d'ouverture du 23e Salon du Livre, proposé par l'Association des éditeurs de Tahiti et des Îles et tous ses partenaires. La traditionnelle présentation, un peu bousculée par les conditions météo, s'est concentrée sur le grand chapiteau où se dérouleront lectures et présentations d'ouvrages. Très rapidement, on est entré au cœur du sujet. J'adore lire, j'écris un peu. Et donc c'est un rendez-vous que j'essaie de ne pas manquer, j'essaie d'être là tous les ans parce que j'ai hâte de découvrir les nouveaux livres qui paraissent sur la scène littéraire polynésienne. Puis j'ai envie de rencontrer les auteurs et puis de voir les autres personnes qui sont là qui aiment aussi les livres. Bah, le message c'est de lire le plus possible, chaque livre c'est une porte ouverte vers le monde et c'est la possibilité de voyager sans bouger de chez soi. Donc il ne faut pas hésiter, il faut lire, lire et lire encore. Je suis très très content effectivement que beaucoup de jeunesse participe à ce salon parce que c'est vraiment un grand défi de ce 21e siècle avec l'internet, avec les réseaux sociaux, etc. L'information immédiatement disponible ou plutôt la désinformation immédiatement disponible. Je trouve que c'est vraiment bien que les jeunes puissent voir effectivement que c'est aussi toucher du papier, toucher un livre, lisez, lisez, lisez. Kwahelima Yorana, bienvenue dans ce premier magazine du Salon du Livre. Pour vous permettre de suivre l'actualité de ce salon et aussi, je l'espère, vous donner envie de nous rejoindre ici du côté de la Maison de la Culture. Pour cela, toute l'équipe des stagiaires d'étudiants de l'ICEP se transforme en reporter sous la houlette de la production assurée par Hawaiki Audiovisuel. On va les suivre ou les retrouver pour cette première journée et s'attarder sur des moments forts. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre des différents exposants. Donc allez-y, suivez-moi. Alors. Alors, je propose qu'on aille là, plutôt, pardon. On va aller voir l'équipe de Oura Édition. Alors, Yorana, Yorana. Alors, j'aimerais avoir votre ressenti sur cette première journée. Bonne journée, beaucoup de monde, beaucoup de scolaires, c'est sûr, malgré le temps. Heureusement qu'il s'arrange, mais bon, on est content d'être là et de participer au salon. Okay, et voilà, que ça dure jusqu'à dimanche. Ok, du coup, c'est votre première participation au salon? Ah non, nous, on participe presque depuis le début, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Oura Édition? Ça fait combien de temps que ça a été créé et ça a été créé par qui aussi? Oui, donc Oura Édition, c'est l'histoire d'une amitié, en fait. Et donc, les éditions ont été créées en 2006. Donc, au début, on avait très peu d'ouvrages. Et bon, chaque année, on veille à proposer des nouveautés. Donc, cette année, nous avons deux nouveautés. C'est celle-ci, Après la tourmente, sur les traces de James Norman Hall, Au-delà des révoltés de la Bounty, justement. Donc, c'est un livre de Gonzague Hézier, c'est notre nouveauté de cette année. Et nous avons aussi celle-ci, Zouloutou, Mon île nature, de Maïré Bordelot, qui est à la fois artiste-peintre. Ok, voilà. Parfait. On en fait en fait pour un peu tous les publics. On fait tant des livres d'art que des romans. C'est-à-dire historique, des traductions de grandes œuvres de Norman Hall et de son ami Charles Nordhoff, hein, ça c'est un de nos best-sellers, Panne sèche, et aussi des ouvrages jeunesse. Ok, du coup vous produisez combien de livres à peu près par an? Par an ça va de une à deux nouveautés maximum, hein. C'est vrai qu'on est une petite maison d'édition, voilà, donc déjà si on en a une on est content. Ça marche, mais merci en tout cas. Merci. Donc, les amis, n'hésitez pas à venir faire un tour chez Oura Édition sur le Salon du Livre. Alors cet ouvrage, c'est un ouvrage d'entretien avec Ben Teiki Tutoua, qui est donc de Wapo et qui est un conteur. Et en fait, c'est toute l'histoire de sa vie qu'il raconte lui-même. On a passé ensemble plus d'un mois où tous les jours, on travaillait. Tous les jours, j'enregistrais et ensuite, on réécoutait ensemble et on regardait ce qui était répétition ou pas. C'est tout le problème aussi de culture océanienne. Comment on fait pour passer de la tradition orale à l'écriture? Eh bien ça, il a fallu qu'on résolve ce problème ensemble. Ah, le Fénois, le territoire, ce que j'ai trouvé merveilleux ici, en Polynésie, c'est que la terre n'appartient pas à l'individu. C'est l'individu qui appartient à une terre. Et ça, je le ressens moi en tant que breton aussi.
cette façon dont à la fois on aime être sur l'océan, mais où en même temps on appartient à une terre. Quelquefois cette terre, c'est une toute petite île. Je fais beaucoup d'interventions sur deux ouvrages, Une fin de loup et Paf. Alors ça me fait penser à Frontières. Mais c'est le premier truc qui me vient, c'est juste parce qu'aussi il y a une activité un petit peu chargée en Europe en ce moment, avec les réfugiés et tout ça. Donc c'est le mot qui me vient, mais pas. Ce mot n'est pas forcément connoté de quelque chose de dramatique. Mais moi c'est le truc qui me vient là à l'idée. Voilà, le temps est passé vite, on aurait pu rapporter 1000 autres infos qui ont jalonné cette première journée du 23e Salon du Livre. Je voudrais que l'on consacre nos dernières minutes au programme de demain. Je suis persuadé que vous allez trouver là maintes raisons de nous rejoindre. Vous serez en tout cas les bienvenus. Sous le banyan, sous le papa Hiro à 10h30, rencontre avec Kitawa Peiwa, autrice notamment de Mutisme et de Pina. Dans la salle de projection, les documentaires de la youtubeuse Jeanne Seignolle sur les jeunes et la lecture et comment TikTok a bouleversé l'industrie du livre. Sur le stand devant des îles, passez une tête dans un sous-marin extraordinaire et découvrez le peuple des abysses, créature extraordinaire croisée dans les profondeurs du large en Polynésie. Sous le grand chapiteau à 9h, la découverte ou la redécouverte du ciel de Tahiti et des mers du Sud, avec Roger Parodi qui revisite l'œuvre de Maurice Gringorge. À 10h30, lecture du Petit Prince en Paumotu. Et puis un dernier rendez-vous demain à 19h au Grand Théâtre avec la pièce de théâtre Omae Omae de Titaoua Porcher. C'est une pièce de théâtre qui fait revenir un personnage historique qu'on a appelé Omae mais qui s'appelle Mai en fait et qui revient sur Terre aujourd'hui pour délivrer un message aux hommes du 21e siècle. Tu as contribué au rapprochement des peuples et des civilisations et j'ai vu que cela était bon. Vous me faites trop d'honneur. Alors là, je t'arrête tout de suite. C'est parce que tu as fumé, mais il n'y a pas d'homme oiseau ici. Donc il va rencontrer les gens du Tahiti d'aujourd'hui, il va rencontrer un jeune avec sa boombox à l'épaule, il va rencontrer une transgenre, il va rencontrer une danseuse tatouée qui ne connaît pas sa langue. Pour pouvoir faire de la politique, tu es obligé de parler tahitien. Voilà qui est intéressant. Tu es obligé pour pouvoir toucher tout le monde. Et apparemment, les hommes politiques ne disent pas tout à fait la même chose en France, mais en tahitien, c'est comique. J'imagine. C'est une comédie qui prend donc pour personnage principal ce personnage du 18e siècle qui fait partie de notre histoire. Voilà, c'est sur ces images de répétition de ce spectacle que se termine ce premier magazine du Salon du Livre. Je vous dis au nom de toute l'équipe, merci de nous avoir suivis. À demain, bonne soirée et au plus tôt possible ici à la Maison de la Culture pour partager avec tous les invités et intervenants de ce 23e Salon du Livre. Parhai, Yorana.